Welcome. Welcome to the 35th Chaos Communication Congress. It's good to see you. We have to start with two announcements. First off, the two of us want to make this opening as good as we possibly can, so we need to do it in German. Sorry to everybody who doesn't speak German. We do have live translations in English and in French, so if you look for translations in the wiki, you will find them and you will be provided with live translations by our awesome translation angels. Die zweite Ankündigung dient unserer rechtlichen Absicherung. Wir haben in den letzten Jahren in den Vorträgen ja gelernt, dass eure Gesichter personenbezogene biometrische Daten sind. Da wir von hier vorne einige eurer Gesichter erkennen können, ich würde so sagen die ersten 10 oder was, ja, Reihen, 10 Reihen, passt ganz gut, müssen wir euch darüber aufklären, dass wir euch halt sehen und eure Gesichter uns auch merken können. Da und dass ihr uns gegenüber das Recht auf Löschung und das Recht auf Vergessen habt, gemäß der dieses Jahr in Kraft getretenen Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Wenn ihr von diesem Recht Gebrauch machen wollt, würde ich euch bitten, euch einfach nach dem Opening in 2 Reihen hier vorne an der Bühne einzufinden. Also die eine so hier in dem Gang, die andere da. Eine für Rufus, eine für mich. Ich nehme dann die längere Reihe. Wenn alle da Beteiligten so einen Chunk mit nach vorne bringen, können wir euch garantieren, dass wir uns morgen an nichts mehr, schon gar nicht eure Gesichter erinnern. Ja, schön, dass ihr da seid. C'est bien que vous soyez là. Donc maintenant que la salle est pleine, ça fait quand même un peu plus gros. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc bienvenue à tout le monde. Aussi aux personnes qui sont à la maison, et à ceux qui sont dans le hackerspace, dans le Congress Everywhere, qui sont à la maison, ça fait plaisir que vous soyez là, même si vous n'êtes pas là. Donc on va faire ça aussi vite, on va faire ça un peu comme enlever un sparadrap, rapidement. Donc, ça fait quelques-uns qui ont une super année, mais bon. Mais quand on regarde, ça fait un peu bizarre. Et c'est. On arrive dans des temps difficiles. Donc il y a par exemple un nouveau doyen d'État, la police achète des tanks. Qui veut pas conduire un tank? Il y a aussi. On a aussi notre problème à Dortmund et Augsburg. On a eu des problèmes. Et donc maintenant, on sait ce que ça donne les nouvelles lois de la police en Allemagne. Du coup, on était encore plus contents. Surtout, donc on était content qu'il y ait eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle police. Et donc il y a une task force qui s'est formée. Et c'est important. Et je dois dire aussi que c'est un peu dommage que les institutions qui, les dernières années, qui se sont placés le plus à gauche, normalement vendent du cola. Mais bon, l'année est finie, c'est bon. Et la fête des réparations d'ordinateurs à la maison, c'est fait. Donc maintenant, c'est les congrès. C'est là, c'est bien. Et le motto cette année, c'est Refreshing Memories. Ce serait un bon moment pour raconter des histoires. Mais vu que ça a été fait déjà l'an dernier, vous pouvez regarder simplement sur MediaCCC.de celui de l'an dernier. Donc le premier congrès, c'était 1984 à Hambourg. Et c'était 200-300 personnes.
Donc maintenant, regardez, juste là, 200, 300 personnes. Et maintenant, on est là, 35 ans plus tard, 34 ans plus tard. Et on le fait plus divers, on le fait plus coloré qu'avant. C'est toujours plus différent, plus d'idées avec chaque année. Et la communauté grandit, les familles et les idées. Et c'est toujours fait, c'est du fait main. Et le nombre des anges, c'est toujours des bénévoles qui font ça dans leur temps libre. Et sans qui le congrès ne serait pas possible. On fait un congrès sur lequel, pour 4 jours, où on fait quasiment tout. Et on le fait toujours ensemble. Pour vous, j'espère que ça sera un congrès unique, avec des expériences uniques, avec des souvenirs uniques. Et maintenant, on va regarder ce sur quoi on peut se concentrer. Pour moi, le congrès, c'est un rassemblement de toutes ces petites et plus grandes choses complètement folles qui se rassemblent dans un grand bâtiment. Et cela fait un rassemblement de choses complètement folles, et je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et ça, nous le faisons ensemble. Et ensemble, nous grandissons aussi. Au début, nous étions que 200, et maintenant, nous sommes plusieurs milliers, et donc nous grandissons tous ensemble. Nous avons de nouveaux ateliers, nous avons les Foundation Talks, les conférences de fondation, où des gens qui ont une compétence bien particulière dans leur domaine d'expérience partagent avec eux leur savoir. Correction, partagent avec nous leur savoir. Tous ceux qui sont ici connaissent énormément de choses et on a la possibilité d'apprendre des choses d'experts. Et c'est quelque chose d'unique. En plus de cela, cette année, il y a des thèmes qui vont bien ensemble. Il y a quelques semaines, il y a un mois et demi environ à Berlin, il y avait une conférence où certaines personnes de la communauté des hackers se sont rassemblées avec des activistes, avec des écologistes et ont trouvé une sorte de convergence des luttes pour travailler ensemble. Ils ont pu réfléchir à comment rendre ce monde un monde meilleur, comment prendre soin de notre planète. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Le fait que des gens s'asseyent ensemble et se demandent dans quel chemin, dans quelle direction est-ce qu'on peut aller pour faire de ce monde un monde meilleur. Nous grandissons également en termes de scènes. Il y a 5 grandes salles de conférences aujourd'hui. Comme ça, boum. C'est incroyable que nous ayons pu grandir à ce point-là. 5 salles de conférences. Vous voyez bien sur le far plan, sur le planning, il y a ces 5 salles de conférences, mais ça n'a pas suffi. On a dit qu'on allait aussi faire une sorte de réseau de petites scènes décentralisées. Pour le moment, il y en a environ 5. Je les appelle des petites scènes pour bien les distinguer du reste du problème. Par exemple, la scène du Chaos West, elle n'est pas si petite que ça. C'est incroyable que la communauté arrive encore à trouver du contenu de qualité et de faire en sorte que cette scène puisse exister. C'est génial. En plus de ça, nous grandissons aussi au niveau plus personnel. Au sein du Chaos, ces dernières années, nous nous sommes posé la question
comment faire pour surmonter les conflits. Certains qui étaient présents depuis des années, depuis des décennies, ont décidé de s'occuper de la sécurité des participants. Et ils ont investi énormément de temps, ils ont été motivés, ils ont fait des téléconférences, qui sont bien entendu le meilleur moyen de communiquer. Ils ont fait tout ça pour s'assurer que le congrès puisse continuer. En plus de cela, donc à la suite de cela plutôt, différentes choses en sont sorties. Il y a les arbitrages. Nehmt euch einen Moment, lest sie mal durch, dauert nicht lange und dann habt ihr einen guten Überblick auch. Das macht das bitte vor allem nicht nur eure Teilen, sondern auch für die Leute um euch rum, nicht? Wenn neben euch jemand plötzlich in Halle 3 jemand umklappt, dann ist es doch echt gut zu wissen, was ihr als nächstes tut. Informiert euch einfach, das ist ein schöner Weg. Ich meine, ihr könnt auch die diversen Aushänge auf dem Gelände lesen. Auch das ist sicher eine gute Idee. Und wenn wir schon dabei sind, euch hier Informationen und Regeln an den Kopf zu werfen. Da kann man ein bisschen ermahnen, oder? Ja, machen wir das mal. Bitte ruft euch unsere Fotopolicy ins Gedächtnis. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann findet ihr sie auch weitläufig auf dem Gelände tapeziert. Wir haben keine Kosten, Mühen und Totholz gescheut. Ja, wir haben da ein eigenes Team für abgestellt. C3Sign macht das super Arbeit. Ja. Die besagt, bevor ihr ein Foto aufnehmt, fragt die Leute, die auf dem Foto dann erkennbar sind, ob das für sie okay ist. Wenn das so ein Riesenbild ist, wo vielleicht ganz viele Leute drauf sind und vielleicht denkt, gut, will ich jetzt aber eigentlich eine Frage, dann ist vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, sich ein Foto aufzunehmen. Genau. Wir verstehen voll, dass man Fotos machen will. Ja, es sieht hier toll aus, wir sind auch total geflasht. Aber bitte, bitte respektiert diese Policy und tragt sie auch mit. Ist für alle Beteiligten hier wichtig, denke ich. Ja, jetzt Moralkeule ist so langsam rum, ne? Jetzt können wir noch ein paar Geschichten erzählen, oder? Alles klar. Ich habe festgestellt, dass je nachdem, wen man nach diesem Event so fragt, also ich habe so ein bisschen, wir haben 100 Leute gefragt. Nous avons demandé 100 personnes. Non, on n'a pas demandé à 100 personnes. Mais ça dépend à qui on demande à propos de l'événement. Et les gens racontent des histoires complètement différentes parce que tu pourrais penser qu'ils étaient à différents endroits, en fait. Et une personne disait, par exemple, que son congrès, c'est qu'elle a ramené un serveur et un ami l'a utilisé pour casser dans le serveur et est venu après en disant « Dis donc, je crois qu'il faut qu'on cause. » Donc une autre personne a expliqué avec donc le bac à sable avec le beamer dessus. C'est un truc vachement sympa. Et ce machin-là est celui qui fait ça et qui m'explique exactement comment ça fonctionne, avec tous les détails, et vers 3h le matin. Mais sinon, quand est-ce que tu veux faire ça? Donc il y a beaucoup de gens qui expliquent ces expériences. De regarder des conférences ensemble, de tenir des conférences, le processus de faire connaissance avec d'autres personnes. Et il y en a d'autres qui disent. Et c'est d'aller dans toutes les halles et de s'arrêter et de papoter avec qui que ce soit, avec de la personne qui te tend une boisson et à un moment donné tu te retrouves de nouveau à ton assemblée si tu as de la chance. Et il y a quelque temps, un ami m'a dit que le temps exact
le temps où tu sais exactement que quelqu'un d'autre est aussi là, c'est 30 secondes. Si tu sors, 30 secondes plus loin, tu peux être au bar à Chaos West, ou tu peux être au Ciel, ou alors tu peux être au Helbesque, et je sais aucune idée d'où tu vas être. C'est pour ça que j'adore cette règle, parce que j'ai déjà vraiment cherché des gens, et j'ai cherché, et pendant des jours, je ne les ai pas trouvés. Et tu les cherches. Surtout les gens que tu cherches vraiment, que c'est important. Mais tu trouves toujours quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider aussi, même si je ne l'ai pas cherché. Et ils m'ont toujours aussi bien aidé. Et ça fait le chaos. Ça, c'est le truc avec les gens qui aident. Je ne sais pas comment c'est. Vous êtes tous ultra social, vous aimez être dans des grands groupes de personnes et ça ne vous pose pas de problème. Mais je pense qu'on peut penser que pour quelques-uns d'entre nous, ce n'est pas le cas. Moi, je me rappelle mon premier congrès, qui n'est il n'y a pas si longtemps que ça, alors que le petit Rick, c'était encore plus petit. J'ai rencontré plein de gens vachement bien et qui sont complètement différents de tous ceux qu'on connaît. Et qu'on apprend à connaître des concepts de vie complètement différents. Et on a besoin de temps pour les comprendre. Et du coup, j'ai beaucoup appris. Et expliquer des choses, soit parler pour les prochains angles, pour expliquer aux prochains angles. Et en fait, faire des choses de façon complètement différente de la façon dont on les fait d'habitude. Et ah oui, pourquoi pas. Et j'ai appris plein de choses, j'ai essayé plein de nouvelles choses, tout était légal. J'ai fait plein de nouvelles expériences et ça venait de moi. Et j'étais là, c'était la première fois, je regardais simplement à droite, à gauche. J'étais complètement en train de me poser des questions, d'être impressionné, parce que c'est quand même beaucoup. Et le truc qui est bien, c'est que les gens veulent papoter avec vous. Et c'est pour ça que j'ai appris à parler des gens. Les gens veulent vous expliquer dans quel hackerspace ils sont, dans ce que font leur hackerspace, ce qu'ils ont fait pendant toute l'année. Ils expliquent aussi ce qu'ils ont ramené. Il y en a qui ne peuvent pas arrêter. Leur fait pas peur. Les gens veulent parler avec vous. Et on espère que vous voulez parler avec les gens, parce que c'est un congrès, c'est pour être ensemble aussi. Et le pire, c'est que, au pire, les gens n'ont pas de temps. Et c'est pas un problème. Et si quelqu'un conduit quelque chose avec un automate à cocktail, et que ça a l'air vachement solide, donc demandez. « Hey, dis comment, arrêtez-le et dites, hey, mais comment est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu m'as expliqué ?» Et donc, on peut expliquer. Et la question, c'est, qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois? Il t'a fallu combien d'essais? Et c'est quelque chose qui est vachement impressionnant et qui fait aussi, qui est très amusant. La fois où le sofa a brûlé, donc parler avec un autre, je veux dire... Si quelqu'un est ultra concentré avec des écouteurs, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Mais sinon, parler les uns avec les autres. Faites ces nouvelles mémoires, ces nouvelles souvenirs. Et même si c'est votre premier congrès et que c'est un petit peu difficile et que vous n'arrivez pas à vous décider à y aller, devenez ange. C'est la meilleure façon d'apprendre à connaître des gens. Allez sur engelsystem.de et essayez de faire une... simplement de... Et si vous avez 2 heures, pour contrôler les heures, et ben faites-le. Et vous allez parler avec quelqu'un qui sera avec vous, que vous ne connaissez pas encore. Et vous voulez papoter. J'ai rencontré des gens comme ça, qui sont encore des amis. C'est énorme. Et
les gens qui rentrent et qui sortent font pas mal aussi avec vous. Et en tant qu'ange, on apprend à connaître le congrès d'une autre perspective, en fait, d'un autre point de vue. Et donc ça, c'est le moment où on dit merci à tous les anges qui ont construit ça. Sans vous, ça ne fonctionne pas. Chaque discours d'ouverture a besoin de cette question. Qui d'entre vous est là pour la première fois? Ah oui, vous êtes beaucoup. Bienvenue à tous. On est ravis de vous voir. Je suis aussi un petit peu jalouse parce que c'est votre premier congrès et le premier congrès est toujours le meilleur. Pour moi, c'était une expérience complètement incroyable. C'était la première fois que je venais au sein de cette communauté. J'étais assez nouvelle. C'était mon premier événement du chaos. Et je dois avouer à quel point je n'étais pas prête. Je devais me concentrer pour ne pas me perdre au CCH, qui était à Hambourg. Et quand je suis arrivé là pour la première fois, je suis d'abord resté quiet. J'étais immobile et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu toutes ces choses partout. Il y avait des choses là, j'arrivais pas à m'en remettre. J'étais complètement fasciné et je me suis vraiment demandé plusieurs fois, mais qu'est-ce que je fais ici? Qui sont tous ces gens complètement fous? Au bout d'un moment, quelqu'un m'a demandé de partir de son chemin parce que je gênais. Je me suis vraiment senti comme un petit enfant. Et ça ne s'est jamais arrêté de tout le congrès. Chaque année, il y avait quelque chose de nouveau. À chaque fois, je reste sans voix devant quelque chose de nouveau. L'année d'après, c'était la même chose. Je me suis dit, tu es prête, tu sais très bien à quoi t'attendre. Et évidemment, ce n'était pas le cas. Bien que j'aide maintenant à construire cet événement et que je traverse toutes ces grandes salles plusieurs fois par jour pendant des semaines, chaque fois, chaque année, je vois quelque chose de nouveau, de complètement fou. Et je suis vraiment comme un enfant dans un magasin de jouets. Il y a toutes ces choses que vous, la communauté, amenez avec vous de chez vous, et toutes ces choses que vous construisez sont absolument époustouflantes. Et alors là, il faut vous remercier à tous. Merci pour ce que vous faites. Et surtout, soyez ouverts, parlez aux autres, forgez de nouvelles amitiés, construisez des trucs super cool. Aidez-nous à construire des souvenirs géniaux. Et comme les années précédentes, recommençons cette année. Faisons de ce congrès quelque chose d'absolument énorme qui nous redonne les mêmes sensations que notre premier congrès. Forgeons ensemble des souvenirs que nous chérirons toute notre vie. Amusez-vous bien.